Quoi? Tu mens! Arrête! Now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans un nouveau vlog d'août, le 23 août. Le temps est bon, le ciel est bleu et je me suis réveillée de très bonne humeur. Je suis dans mon uniforme, vraiment mon look de tous les jours. T-shirt blanc, jean bien taillé, basket. Des fois c'est des petits mocassins, des fois c'est des petites bottines, ça dépend. Tant que le haut est un t-shirt blanc et le bas un jean bien bleu, je suis là. T-shirt, c'est ma maman qui l'avait fait. C'était un truc dans sa boutique à l'époque. Il y a même son étiquette, c'est marqué Sabrina. C'est le nom de la boutique, puisqu'elle s'appelle Sabrina. Ah, j'ai un pont au cœur. Ow. Si je suis autant de bonne humeur, c'est parce que j'ai déjà fait ma petite balade du matin. Je suis une adepte de tous les petits kiffs qui font du bien. Par contre, j'ai beaucoup de mal à les tenir sur la durée et il n'y a que la balade du matin que j'ai réussi à garder sur le long terme. Quoi? C'est quoi déjà mon mot de passe? Alors, un petit matin sur seloger.com. Eh oui! Alors, Paris. C'est ma nouvelle routine matinale finalement. Alors... Oh, c'est moche. Ça c'est sympa ça. Toujours la première photo déclassée. Et dès que tu scrolles et que tu vois le derrière de l'appartement, il y a toujours un guet-apens. La dernière fois j'ai trouvé genre l'appart de mes rêves. Bête de vue, dégagé, spacieux, genre ça avait l'air hyper bien agencé, etc. C'est pas je me rends compte que c'est une péniche en fait. Ça c'est bien non? Je suis confuse. Waouh, c'était la séquence la plus déprimante que j'ai pu faire. J'étais en train de chercher et puis j'ai vu mon regard dans le retour écran. C'est à ça que je ressemble quand je cherche des appartements. Waouh. Attends, va falloir mettre un sourire sur ce visage, putain. J'ai vu vraiment la détresse dans mes yeux. Bon, de toute façon, faut qu'on y aille. Voilà, voilà. Ça, Léna, le problème, fuir. Fait particulièrement chaud aujourd'hui, hein. Je vais m'attacher les cheveux en mode skate ou fetch. Est-ce que vous aussi, vous pouvez pas trop participer à la tendance des pinces parce que... Vous avez pas les cheveux qui sont adéquats pour vos copies, on voit même pas la pince dans tes cheveux. Je vois toutes les girlies dans ça sur les réseaux. Et bon, heureusement que nous on a toujours nos petits scrunchies. Voilà. Hop, prendre le nude. Hop. Pas mal chaud. Hop. Putain, j'ai un bouton qui a poussé dans la nuit. C'est fou de s'inviter chez les gens comme ça là. Regarde, bon. C'est pas grave. J'ai connu pire. Hop. On va juste faire ça. Hop. Hop là. Tadam. J'ai commencé à porter des casquettes quand j'habitais à Los Angeles et depuis je les quitte plus. Toutes les meufs elles avaient ça. J'étais en mode waouh, elles ont l'air si cool. Pareil pour les ensembles jogging. Moi avant je portais pas ça comme je le porte aujourd'hui, tu vois. Mais toutes les meufs à Los Angeles, c'était ça. Qui c'est? Eh? Ah, c'est toi? Oui, c'est ton père. Ça va, papa? Et toi? Ouais. Tu bouges? Oui. Eh ben c'est bien. Ah ouais. Oh, je te le dis. Ah ouais, tu Je suis rentrée à 4h du matin hier. Ah ouais, d'accord. Ouais. La fête. T'étais à l'hôtel de ma pouf. C'était avec... trop bien. On a fait un jeu de cartes et tout après. On a fait une after, on a fait des mimes et tout. On s'est tellement marré qu'on a décidé d'organiser encore une soirée pige à l'hôtel ma pouf avec des abonnés pareil et ce sera que des jeux de société. Avec que des abonnés. Ouais. Pas avec tes potes et tout, tu prends. Non. Il y a un monde. Il y a encore plus de monde qu'avant. Ah ouais. Ouais. À la rentrée, il y a pas que le projet de l'appartement. D'autres choses sur lesquelles on bosse. C'est la rentrée dans une semaine. Même si c'est pas la rentrée scolaire, c'est la rentrée du taf entre guillemets. Et donc du coup, c'est comme si je retournais à l'école avec mon petit cartable. Et là, on reprend un projet sur lequel on travaille depuis un petit bout de temps. Chez... Allez là. Nous sommes en rendez-vous Adidas et je me dis que à chaque fois on dit on est en rendez-vous, les influenceurs sont en rendez-vous, mais que vont-ils dans ces rendez-vous? Bah voilà, je viens de vous montrer. Parce que c'est une très grosse partie de mon quotidien. Une méga grosse même partie de mon quotidien parce que au-delà de faire les vidéos, vous savez, moi je suis pas en agence. Depuis le début que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai fait le choix de pas rentrer en agence et d'être représentée par aucune agence ou aucun agent vraiment. Je gère toute seule, j'ai une assistante et
J'aimerais agrandir la team petit à petit, mais toujours être en charge de mes collaborations, des partenariats, mais aussi être en charge de tous les aspects créatifs et les aspects financiers. Donc du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de mon temps en réunion. Genre vraiment, c'est, je pourrais un peu diviser 50-50. 50% de mon temps, c'est à faire le contenu, et l'autre 50%, c'est à faire en sorte que tout roule, que la société tourne, que la partie comptabilité soit check, que la partie projet, etc. soit check. Et en fait, du fait de ne pas être en agence et d'être sur les deux tableaux, ça fait que je peux toujours mêler les collaborations, l'aspect beaucoup plus business avec la partie créative et essayer d'avoir que des projets qui font sens, qui sont créatifs et de pas me sentir forcée à faire quoi que ce soit puisque je vous l'ai déjà dit, moi je suis très influençable. Donc du coup, je préfère être maître de mon temps, de mes collaborations et de mes projets et d'avoir un peu l'aspect 360. Donc voilà, ça c'est une salle de réunion pas classique, c'est très cocooning chez Adidas. On est dans le salon Zidane. Oui, c'est pas une blague. Regarde, qui me chaperonne. Ah, oh, lui aussi il est dédicacé, j'avais pas vu. Et Adidas, ça fait 2 ans que je suis ambassadrice de la marque. Je suis la première influenceuse à être entrée chez Adidas ici et du coup, c'est un grand plaisir. Et au-delà de participer à certaines campagnes, on a plein de projets qui sont en cours de préparation et on travaille dessus. Voilà. Et là, elle est partie chercher quelque chose, du coup, j'attends patiemment. My dream, vraiment. Je sais pas à quel point c'est mon rêve. Putain, elle est trop belle, elle est trop sexy ton imprimante. C'est mon rêve. Tout ce que je veux dans la vie, c'est un bureau avec une imprimante. Pas venu pour moi. J'ai une mission qui me tient particulièrement à cœur. Et je vais faire mon maximum pour qu'elle réussisse. Putain, mon bouton. Mon gros bouton chez Dior. Vous l'aviez vu, Marcus a perdu ses lunettes de soleil. C'était son bébé. Il les adorait. C'était toujours ses lunettes, les lunettes. Il les a perdues le jour de l'ouverture de l'hôtel Mafouf. Il y avait trop de monde, on était déboussolés. Et les lunettes sont restées sur une table, elles sont jamais revenues. C'est ce modèle. Sauf que c'est un très vieux modèle qui n'existe plus. Donc, je vais essayer de trouver un modèle similaire, tu vois. J'ai enlevé mon jean, il me serrait trop. Et je me suis mis dans mon pantalon Beverly. C'était vraiment tout le concept de la collection chillé à l'hôtel Mafouf. Ce sentiment quand tu rentres chez toi, que tu déboutonnes ton jean un peu serré, que tu dégraves ton soutien-gorge et que t'enlèves maquillage, fossile, tout. Et que tu rentres dans tes pantalons confortables. C'était exactement ça le mood. Et je suis ravie de le vivre en vrai. Mission check. J'ai les lunettes. C'est pas exactement les mêmes. C'est un format très très similaire. Et je me dis, tu vois, s'il faisait que les perdre, c'est qu'à un moment il fallait du renouveau. Donc Marcus, cette paire de lunettes, t'as intérêt à pas la perdre, je te le dis. Je vais me mettre au montage, que vous pouvez voir juste ici, et peut-être que quelqu'un viendra passer ici après son travail. Tu pars aussi c'est longtemps. Ça fait 48 heures. Coucou! Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour. Alors, Xia, la reprise du travail. Oh, intense. Asseyez-vous. Intense. J'ai revu mes collègues, je suis content, mais il y a du boulot. Ils t'ont parlé du scotch? Ils m'ont pas encore parlé du scotch, on va pas du tout en parler maintenant. Hein? Ne regardez pas le vlog. Hein. Non, ils m'ont pas parlé du scotch, donc ni vu ni connu. Et toi, est-ce que je t'ai manqué? Ouais, de ouf. Beaucoup. Ouais, après tu me connais, je me suis fait une petite journée solo. J'ai renoué mes chakras, puis après c'est reparti. C'est ça, j'ai dit t'es re-aligné avec toi-même. Je suis contente de te voir. Mais si. T'as réussi à te réveiller le matin? J'ai pas le choix. Je sais pas. Non, mais c'est dur ou pas? Ah, de ouf. Moi j'ai peur de ça. Non, mais parce que je me lève très tôt. Ouais. Je me lève à des 6h du matin, genre. Aïe. 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 Aïe, oi, oi. Aïe, 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 aïe. Oi, 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 oi. Aïe, aïe, aïe. T'as vu, j'ai un bouton qui pousse. Bah, c'est normal, hein. T'en auras d'autres. Faut que je fasse ma valise pour ce soir. Ah oui, c'est vrai, tu pars. Mais en vrai, tu vas kiffer. Un petit message à toutes les personnes qui vont reprendre là. Be brave. Franchement, si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Non, mais en vrai, moi j'ai le seum depuis être là. Quand on est revenu de la campagne là, ouais. J'étais un peu triste. De toute façon, j'ai eu une rupture. Bah, mais oui, non. Les gens devant l'ordinateur, ça m'a. Mais finalement, c'est des grosses drama queens. Dramatique. Ça veut juste dire que c'est la fin des vacances, quoi. Mais même moi, là, dans une semaine, c'est fini, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, mais le mois passe vite, là. Trop vite. Là, J-7. Est-ce que vous êtes bien mariés?
J'attends une réponse. C'est ça, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai acheté? Tu n'as qu'à... Je me suis acheté un petit cadeau. Hey, tu peux ouvrir? Oui. Non, ça, c'est moi. Donc, c'est trop bien. Ça sent bon. Non, mais dans le détail, hein. Ah. Oh, waouh. C'est quoi? Faut voir. Mais allô? Bonne rentrée! Quoi? Arrête, tu mens! C'est pour toi! Tu mens! Mais non, Marc! Oh mon dieu! Non, tu mens! Je t'aime trop! Oh my god! Oh. Attendez, pause! Attendez, pause! Non, tu mens! C'est, en fait, c'est ça que j'ai voulu dire. Un peu plus que tu perds tes lunettes. Oh mon dieu! Mais c'est la version mieux. Oh my god! Ça part! Oh mon dieu! Je m'en suis pris aussi. Jure! On est match. Ouais. Oh. Bah non, c'est le tien, ouvre-le. Non, vas-y. Oh, je suis choquée. C'est pour ça que c'était bleu. Oh mes femmes. Oh mon dieu, je suis choquée. Oh. Mais on est vraiment des sisters. On est vraiment des... Mais on est machi-machou. Celles-ci aussi, elles sont pour toi. Quoi? Tu mens. Arrête. J'en ai trop mal. Arrête. Mais qu'est-ce que c'est? Noël, anniversaire, bonne année, la... Mais qu'est-ce qui se passe? Ben merci, quoi. Enfin... Prends-moi ta main et prends la mienne. Merci. Donc, t'as été méga présent toute l'année. Bah, allô. Dans les vlogs aussi, mais toute l'année. Mais non, mais c'est normal que je sois présent pour toi et présent pour moi. Enfin. On... Ah non, mais Léna, par contre, je suis chouk. Ah, j'ai chaud. Ah, mais moi aussi, ça m'a. Et il fait chaud là. Non, mais je transpire. Regardez comment je transpire de joie là. Quoi? Les gens normaux pleurent de joie. Marcus, il transpire de joie. Attends. Une arrivée fracassante. Eh ben, moi, je suis ravie, hein. Je t'adore. Merci d'entendre le montage. Oh. J'adore offrir des cadeaux. Chaque fois, je vais penser à toi. Même, je pense à toi tous les jours. Mais là, j'adore ce que tu fais là. Oh mon dieu. J'étais pas la meilleure. Franchement, purée, elles sont belles. Elles sont rapides, efficaces, épurées. Enfin, tu vois, tchat, boum. Petite danse de la joie pour un vlog posté. Hop là, danse avec moi, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur. Mais vous savez ce qui n'est pas un plaisir, ce qui n'est pas un bonheur? J'ai été trahie par ma propre équipe. C'est très dramatique comme phrase, ça fait très clickbait. Non, on n'aime pas le putaclic ici. Je sais pas si vous avez remarqué. J'espère que vous l'avez remarqué parce qu'on y travaille très dur. Mais chacun des génériques qui passent depuis le début des vlogs d'août, soit depuis 23 jours, il y a plein de easter eggs qui arrivent dans le générique et il y a plein de modifications qui se font au cours de ce qui se passe dans les vlogs. Si tu regardes le générique du premier vlog et celui-ci, plein de choses ont été ajoutées. Des choses qui sont en rapport avec les vlogs. Donc tous les jours, avec la team des graphistes, on regarde. On se dit qu'est-ce qu'on peut mettre comme easter eggs, qu'est-ce qu'on ajoute. Et puis je reçois le nouveau générique tous les jours. C'est un travail de folie. J'ai une équipe en or et je vous embrasse les gars. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un truc chelou sur le générique. Sur le carton fragile, il y a une petite croix. Donc hier, j'envoie ça. Carton? Moi, j'entoure le truc avec un point d'interrogation. Personne me répond. Je me dis, bon, chelou. Je passe à autre chose, on fait le vlog du jour. Et là, je reçois le générique de ce soir. Ça se fait un morpion. Regarde, c'est le même carton, le petit carré que j'ai entouré, avec un cercle dans le carré. Ils sont en train de se faire un morpion sur le générique. On va régler nos comptes. Bonsoir. I'm sorry. T'as pas quelque chose à me dire? Je sais pas si je faisais le voir ou pas. Mais comment tu peux imaginer que j'allais pas le voir? J'analyse de fond en comble à chaque fois. Ça fait 6 ans qu'elle fait ça, elle peut pas passer le générique. On passe pas le générique, ça me tue. Mais maintenant on joue tous ensemble. Ça y est, je le dis. On fait un morpion tous ensemble. Mais morpion à 3, c'est pas possible. Non, mais là, c'est morpion à 3 millions. On est 3 millions maintenant. C'est plus vous deux. Donc, toi, t'es les ronds ou t'es les croix? Je suis les ronds. Toi, t'es les ronds. Ok, ouais. Donc, dans les commentaires, il y aura une team rond et une team des croix. Et en fait, à chaque fois que le commentaire des ronds a le plus de likes... Non, mais je rêve. Vous avez voulu nous exclure du jeu. Maintenant, on arrive à 2 millions de personnes. On va dire, attendez, nous aussi, on veut jouer. Donc, maintenant, dans les commentaires, c'est chacun pour sa gueule. Il y a la team rond, il y a la team croix. Le vlog de demain, c'est la team rond. Ok, bah vas-y. Ça part, le jeu est lancé. Bah que le meilleur gagne, alors. Vous voulez jouer au morpion avec nous? Eh bien, allons-y. Allons-y gaiement. C'était censé être un prank, mais avec moi, c'est Rira bien qui rira le dernier. Vous avez voulu jouer contre nous.
Maintenant, on joue tous ensemble. Et il est minuit 15, je devrais être en train de faire tout plein d'autres choses. Et au final, je suis restée une heure et demie au téléphone avec Samuel. Et voilà, Léna, spécialisation, traîner les pieds. Et il faut qu'on sorte car la team qui était à l'hôtel Mafouf aujourd'hui sont venus en voiture jusque chez moi pour me déposer vos lettres ainsi que les courriers qui ont été envoyés à l'hôtel Mafouf. Donc, on va aller chercher ça. J'ai récupéré les lettres. Mais je les lirai plus tard car j'ai pas le temps de me poser et j'aime bien lire les lettres, etc. Me poser pendant que je le fais. Genre c'est tout un rituel, tu vois. Petite bougie, lecture, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces lettres, tu vois. Et ce soir on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on file chez Seb. Mais je crois que le monsieur s'est endormi. Il est minuit 45, il était au Mans aujourd'hui. Il était sur 2 jours de tournage intensif et on devait se retrouver ce soir. Je sais qu'il est bien arrivé puisqu'on a pu communiquer grâce à nos GSM, comme disent nos amis les Belges. Cependant... Messagerie Orange, bonjour. Je crois qu'il s'est endormi. Seul problème, c'est qu'on a un train à prendre demain matin. Voilà, on a un train à prendre. Et on avait rendez-vous ce soir. Et vous savez ce que ça veut dire. Si on a rendez-vous ce soir et qu'il s'est endormi, c'est qu'il a pas mis de réveil. Donc demain matin, le train, il me passe sous le nez. Il roule sous mon nez. On part sur du harcèlement ou pas? J'appelle Sofiane. Non, il dort, je pense. Oh, can you smell de Bourbier? Je peux pas leur en vouloir, 2 jours de tournage, ça explose la gueule. Et Seb qui dort à minuit 50, c'est vraiment, mais vraiment très 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 rare. C'est un hibou le monsieur, il ne dort jamais la nuit. Que faire Léna, réfléchis, je déteste être responsable des choses. En gros je vous explique, on doit partir demain matin. Les billets de train ne sont pas pris encore, j'allais les prendre. Oui, à 1h du matin la veille. C'est comme ça qu'on vit chez nous. Mais si je le prends, le train, demain matin, et que je suis toute seule dans mon train comme ça, qu'est-ce que je vais faire? I can smell the Bourbier. Encore un peu d'harcèlement de Seb, après je prends ma décision. Hop, attrape le téléphone. Coucou. C'est dommage, on n'a plus de fixe. Parce que moi, je me rappelle, le téléphone portable, quand il sonnait, on l'entendait pas. Mais le fixe de la baraque, tout l'immeuble l'entendait. Ça te réveillait de ton sommeil le plus profond des profondeurs. Une heure plus tard, ça y est, j'ai coupé... The peer in two. J'ai fait un message sur le groupe. Annonce important. Jusqu'à ce que j'ai mis les émojis triangle jaune. Suite à la fatigue générale de nos deux pilotes, Sofiane et Seb, qui est littéralement en train de dormir. Nous prenons un train demain soir à 20h13 à la place d'un train qu'on devait prendre plus tôt le matin. Comme ça, même s'il y a panne de réveil, franchement, si le fraté se réveille après 20h13, je peux plus rien faire, tu vois. Donc, on part toujours demain le soir. Voilà, j'ai un blocage psychologique quand il faut booker des transports ou des hôtels et tout. Je suis très mauvaise à ça. Je me trompe de date. Je suis nasos.com. Oh là, ce que je fais, une heure du matin. Putain, mais qu'est-ce qu'on est mal organisé dans ce groupe. Non, putain, c'est pas demain qu'on part. C'est... Quel jour on est? Mais il est minuit passé, donc du coup, demain, c'est aujourd'hui. Et on rentre là. Un tonnerre d'applaudissements pour celle qui a réussi à booker tout le voyage pour 4 personnes. J'adore être dramatique, c'est une de mes passions dans la vie. Ça me permet de vivre chacune des petites sensations de mon quotidien de façon plus intense. Oula! Oula! Mais ce bouton n'a pas la même taille que quand on a commencé la journée. Je pense que si vous regardez le début du vlog, vous voyez que le bouton ne fait pas cette taille. Non mais ça va là? Faut payer un loyer à ce point-là. Je pense que si vous regardez le début du vlog et vous regardez maintenant, genre le bouton n'a pas la même taille. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez le faire, je sais. Je sais que vous allez le faire. J'aimerais trop qu'on puisse se maquiller la veille pour le lendemain. Parce que là, je suis en forme. Mais je sais que demain matin, quand je dois me réveiller dans 5 heures, j'aurai pas la force de me maquiller. Alors que là, j'aimerais pour me maquiller, je fais mon trait liner, mon truc, etc. Comme ça, demain, je suis prête. Pff. La vie est mal faite, voilà. J'ai pas peur de le dire. Mais toujours, plus de dramaturgie, on est au théâtre ici ou quoi? Putain, mais taisez-la, taisez-la. Je vais faire un peu de travail sur le site de l'hôtel Mafouf pour annoncer certains sold out et gérer le stock puisqu'on arrive sur la fin de notre stock. On a eu plusieurs pièces qui étaient sold out, qu'on avait réussi à reproduire assez rapidement, etc. Là, ça y est, ce qu'il y a sur le site, c'est ce qui reste et malheureusement, c'est fini pour cette collection. Ce n'est pas la fin du site internet, on a plein d'autres choses qui arriveront petit à petit, mais c'est la fin de la collection chill à l'hôtel Mafouf. Mais il nous reste encore des pièces à la boutique. Ça me fait bizarre de dire au revoir à la collection. Voilà, je m'occupe de ça et je vous dis à demain puisque les vlogs d'août c'est tous les jours. Vous l'avez compris, du coup le vlog de demain sera dans un paysage différent. Je vous laisse deviner où on va, curieuse de voir vos idées. En tout cas moi je suis sur X, les copains sont sur X, ça va être très sympa. On change un petit peu d'endroit, on va pas très loin. Mais bon, check du coude, à demain, bisous.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.